Cette équipe du Real de Madrid est vraiment incroyable. Cette équipe du Real de Madrid a vraiment un mental d'acier. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce classico, de ce Barcelone-Real de Madrid. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, Barcelone s'incline à domicile 2 buts à 1 dans le Classico. Pourtant, c'est Barcelone qui a ouvert la marque par Ilkay Gundogan sur une succession d'erreurs de la défense du Real de Madrid. Ilkay Gundogan qui profite donc de la maladresse de la défense du Real de Madrid pour ouvrir la marque. Ça fait 1-0 pour Barcelone. Barcelone qui aurait même pu doubler la mise avant la mi-temps, sauf que Barcelone a fait preuve d'une efficacité. Score la pause 1-0 en faveur de Barcelone. En seconde période, Barcelone revient toujours avec de très bonnes intentions. Barcelone qui aurait pu, une fois de plus, marquer ce deuxième but qui, pour moi, devait les mettre à l'abri, mais ils ne l'ont pas fait. Sauf que lorsque tu as des occasions, des situations, tu n'arrives pas à concrétiser, à un moment donné, tu le payes cash. Tu le payes cash. Et on l'a vu avec cette frappe de Jude Bellingham qui sort de l'espace. Franchement, cette frappe sort de l'espace. Une frappe venue de nulle part. De nulle part. Ça fait donc un partout dans ce classico déjà très très chaud. Ensuite, ce but égalisateur a donné un coup de boost au Real de Madrid qui a repris le contrôle du match et finalement ils ont marqué ce but qui crucifie Barcelone dans les arrêts de jeu, un but signé l'incontournable Jude Bellingham. Ça fait donc 2 buts à 1 pour le Real de Madrid. Le Real de Madrid qui prend 4 points sur Barcelone. 4 points. Et 4 points, ça commence déjà à être un peu. Ça compte parce que il y a encore des matchs, mais 4 points, ça fait 2 contre-performances. Il faudra que le Real de Madrid fasse 2 contre-performances. Ça commence déjà à creuser. Donc Barcelone ne doit plus trop se tromper. Il doit faire le plein de points. Il doit vraiment faire le plein de points. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. J'ai trouvé ce Jude Bellingham monstrueux. Ce Jude Bellingham incroyable. 10 buts en 10 matchs. Donne-moi ton avis sur ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.